Et puis, je me suis tournée, et c'est là que j'ai été face à un tunnel. Alors, ce tunnel, pour moi, était en forme de cône. Donc, il était plus étroit en haut et plus large en bas. Je suis rentrée par la partie la plus large. J'allais très vite, j'avais l'impression que j'allais très vite. Je volais, c'était extraordinaire. Parce que se sentir sans son corps et voler, c'est une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis, plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration sur des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour? C'est très très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai baigné dans un amour extraordinaire. Thank you.
been work done by NASA on the effects of infrasound. So we came down here and set it all up, and a peak came up exactly on 19 hertz, which was the frequency. There is a natural resonance within the building, the atmosphere, that I think is part of seeing a ghost. These sound waves can be difficult to detect. The sound close to 18 hertz. Sounds at this level approach the resonant frequency of the human eyeball. Sound close to this frequency could cause the human eye to vibrate. Investigators will have to research each location individually. Thank you.
Thank you.